Bonsoir, Saha Chribet, comme Ramadanko Mabrouk. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Premier webinaire printemps de l'engagement solidaire, c'est le Café Express, Marhaba Bikom, qui est normalement, en temps normal, se passera à 13h30, mais comme c'est Ramadan, nous allons le faire à 20h. Marhaba Bikom animera avec moi cette séquence M. Roderick Egal. Voilà, Roderick, bonsoir. Nous avons quand même devant nous un marathon d'une trentaine de webinaires d'ici le 23 juin, n'est-ce pas? Yes, j'ai pas fait le calcul. Bonsoir à tous, joyeux Ramadan depuis Barcelone, où nous sommes pas vraiment confinés, mais enfin on a un couvre-feu comme tout le monde. Et une heure de plus qu'à Tunis. Donc, effectivement, c'est le coup d'envoi de ce printemps de l'engagement solidaire que nous avions annoncé lors de l'inauguration de Darès le 19 mars. Pendant maintenant un petit peu moins de 3 mois, jusqu'au 23 juin, on va enchaîner sur un rythme de 2-3 webinaires Zoom par semaine, des séquences consacré à l'économie sociale et solidaire, bien sûr, en Tunisie, ailleurs, sous des formes différentes, sous des concepts différents, mais avec évidemment le propos de mettre un petit peu de couleur dans cette grisaille que nous connaissons les uns et les autres, quel que soit le pays dans lequel nous soyons à l'heure actuelle. Alors, dis-moi, Roderick, je sais que cette formule du printemps de l'engagement solidaire vient de loin. Peux-tu, s'il te plaît, nous rappeler d'où, comment, de quoi il s'agit? Oui, ben, je crois, enfin, d'abord, l'important, je pense que ce sont les mots. Hein. Le printemps, l'engagement, la solidarité, ils parlent tout seuls. Mais c'est effectivement une sorte de slogan qu'on avait inventé il y a maintenant 8 ans. Pour cet événement qui nous a marqué un certain nombre d'entre nous, qui s'appelait MEDES en 2013 à Tunis. Et on avait un petit peu tourné autour du concept, autour des objectifs de l'événement. On était dans le post-printemps arabe, ce qu'on a appelé à l'époque les printemps arabes, hein, c'était 2011. Nous, on était en 2013 et on s'était dit que ça faisait sens de reprendre le printemps, de lui raccrocher la notion d'engagement. Et puis, bien évidemment, d'engagement solidaire, puisqu'on parle d'ESS. Il était donc un petit peu tombé en désuétude, et avec le lancement de Darès, au début d'un nouveau printemps, on s'est dit, avec toi, avec d'autres, que ça faisait sens de mettre l'accent, pas seulement sur un one-shot, pas seulement sur un événement, une activité, une initiative, mais d'inviter un petit peu tout le monde à s'engager pendant ce printemps 2021. Voilà, donc c'est ça le printemps de l'engagement solidaire. Ça va être intense. On va consommer de l'ESS au quotidien ou quasiment au quotidien. Et puis, on aura sûrement l'occasion d'y revenir à truc. Après, c'est pas une exclusivité, je dirais, d'Arès. Il s'agit d'offrir une plateforme, une visibilité, une audience à toutes celles et tous ceux qui auraient envie de mettre en valeur leur action, leurs initiatives, certaines thématiques, en Tunisie bien sûr, pourquoi pas sur une zone géographique plus large, pour tous ensemble partager autour de cette ESS qui, à notre sens, n'a pas de frontières. Ça sera donc notre printemps d'espoir. Que c'est joliment dit. Oui, on aime bien chez YesMed parler d'espoir avec 2 S. Je ne sais plus sur quelle brochure, mais c'est… Ouais, mettre de la couleur, mettre de l'envie, mettre… On va avoir un certain nombre de collègues et amis là
qui vont intervenir aujourd'hui, qui interviendront à chaque fois. C'est ce qu'ils font au quotidien eux aussi. Donc, essayons de mettre, je ne sais pas si c'est de la joie, mais de l'action, de l'envie, et puis des résultats. Mais ma chère Sonia, puisque tu es là, comment est-ce que dans la pratique ça va se décliner ? Écoute, voilà, nous avons. D'abord, j'aurais voulu, moi, que tu nous parles un peu plus de ça. Moi, j'aurais voulu que tu parles vraiment de la philosophie et du concept du printemps de l'engagement solidaire. D'abord, c'est tunisien, mais j'insiste, ce n'est pas que tunisien. On vit tous une période très particulière. Hein, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Autour du Covid, etc., et des différentes crises qui se superposent les unes aux autres. En France, tu as quelque chose qui s'appelle, je précise que je parle depuis Barcelone, hein, le mois de l'ESS, où chaque année, au mois de novembre, il y a une sorte de concentration, je dirais, d'événements, de prises de parole, de trucs plus ou moins institutionnels, pour quelque part mutualiser les efforts. Et faire parler, faire mieux entendre la voix de l'économie sociale et solidaire pendant cette période. On n'a pas vocation à copier des trucs ou à faire du copier-coller. Je pense personnellement que le concept fait sens. Je ne suis pas sûr qu'un mois de l'économie sociale et solidaire en Tunisie fasse nécessairement sens. Est-ce que ça devrait être une semaine? Est-ce que ça devrait être un mois? Est-ce que ça devrait être, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que cette notion de printemps est porteuse. Donc voilà, nous-mêmes, vous-même chez Darès, vous mettez en configuration de monter une grille un petit peu de programmation. Dont tu vas nous parler, mais au-delà, je crois que c'est vraiment un espace d'accueil. Est-ce que le gant sera relevé? Je ne sais pas, on démarre aujourd'hui, on essuie les plâtres, hein. Mais ce qu'en tant que maison de l'économie sociale et solidaire, Darès va tenter de faire, c'est d'offrir le micro, la caméra, c'est des PC, hein, on est sur Zoom, profitons de cette technologie un petit peu routinière pour en faire quelque chose qui puisse apporter un plus. Et puis essayons au niveau de Darès, bien sûr, de faire avancer les choses en Tunisie, mais aussi d'être en permanence interconnecté avec le régional, avec l'international, avec ce qui se passe ailleurs. Parce que je pense que c'est une des grandes forces de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il se passe des choses partout et que dans des réalités très différentes, il y a quand même plein de points communs. Donc, inspirons-nous les uns les autres, partageons les infos, partageons les messages, partageons les façons de faire, qu'elles soient semblables ou différentes, et c'est comme ça qu'on s'enrichira. Voilà, donc le printemps de l'engagement solidaire dans le cadre plus général de Darès, qui est une maison ouverte à toutes et à tous. Alors, avec les confinements, c'est un petit peu difficile d'être ouvert à toutes et à tous, mais bon, c'est quand même l'idée. Idem, je dirais, sur le web, sur les plateformes digitales. Sachons nous parler et nous inspirer. Alors, je vais partager avec vous un petit peu ce que nous avons à préparer au sein de Darès comme programmation pour le printemps de l'engagement solidaire. Donc, se tiendront en général, enfin, tous les mercredis de la semaine, se tiendra le Café Express. C'est ce que nous faisons actuellement. C'est chaque semaine. Ça parle de l'actualité de l'économie sociale et solidaire tunisienne et internationale avec des brefs. Aussi avec des invités qui viennent d'ici et d'ailleurs. Nous parlerons ensemble de l'économie sociale et solidaire, de nos actualités respectives. Nous partagerons un café, voilà. C'est un format plutôt informel, hein. On partage un petit café et c'est l'ESS sans frontières.
Donc voilà, les mercredis, ça se tiendra le café express tous les mercredis. Donc je rappelle à 20h le mois de Ramadan et à 13h30 après Ramadan. Les jeudis, nous ferons des focus sur Darès, hein, nous parlerons des pôles de Darès, de leur mise en application, de leurs activités, de leur lancement, de lancement des activités. Nous aurons donc des focus particuliers de 90 minutes à peu près sur chaque pôle. Nous parlerons observatoire, nous parlerons économie plus solidaire, nous parlerons du pôle numérique, nous parlerons FinSol, transfert, enfin tout l'écosystème de Darès. Et les vendredis se tiendra un vendredi sur deux une émission que nous appelons émission, c'est le grand angle. Et ça sera une émission débat autour de différentes thématiques de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc nous parlerons plan d'action ES, nous parlerons jeunesse coopérative, ESS en Méditerranée, en Afrique. Bon, le plan n'est pas encore définitif, il n'est pas la programmation n'est pas définitive, hein, n'est pas figée encore. On est en train de la finaliser. Voilà. Super. Alors dans l'actu récente, j'avais sauté une petite étape, on va pas y passer des heures. Il y a eu cette fameuse inauguration qui a, j'imagine, enfin je sais, a mobilisé pas mal l'équipe d'Arès. Tu as quelque chose à nous en dire. C'est quoi le bilan que tu en fais? Écoute, c'était un événement très très agréable. C'était une journée, quand même une journée entière où Darès a ouvert ses portes à tout l'écosystème. Donc, ça a été différents actes. On a eu l'occasion d'échanger avec les acteurs de l'économie sociale solidaire tunisien, des acteurs internationaux aussi. Ils ont été parmi nous. Voilà ce que je fais comme bilan, c'est que c'était l'occasion d'ouvrir les portes de Darès à toutes les parties prenantes, à qu'elles soient institutionnelles, publiques, privées, voilà, des membres de la société civile, les porteurs de projets. Voilà, ça commence à bouger. Les partenaires sont là. Voilà, c'est. Les activités commencent à être lancées et Darès est bien et bien là dans l'écosystème. On enchaîne donc. Il y avait quelque chose qui voulait se projeter. Bon, c'est pas grave, c'est raté. Mais je crois L'aléa du direct. il y avait quelques images. Oui. Allez, on en vient à notre programme d'aujourd'hui, donc à notre premier café express un peu tardif. Les news, c'est quoi? Alors, les news, voilà, je suis ravie hein, de recevoir nos amis qui sont là, Manon Vigier, Mehdi Bakouche, devraient nous rejoindre également Monsieur Gelgli du PSA, du PCPA. Donc voilà, il y a des news, il y a pas mal d'activités de l'économie sociale et solidaire actuellement, il y a des choses qui se préparent. Et donc voilà, je donne la parole à Manon qui va nous parler du forum Convergence qui va se passer en Tunisie, la date, le format, votre appel à participation, enfin tout ça. Veux-tu nous en parler, Manon? Avec plaisir, merci Sonia et merci Sonia et Roderick déjà pour l'invitation. Je suis ravie d'être là ce soir. Donc pour Convergence, on propose cette année la troisième édition du Forum Convergence Tunisie qui se tiendra le 23 juin au Tunis Arena. En termes de format, on va proposer quelque chose d'hybride, un peu entre le en ligne et le présentiel. Donc certaines plénières seront directement rediffusées et des ateliers seront ouverts au Tunis Arena pendant la journée, tout en gardant bien sûr une jauge présentielle assez limitée pour rester dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Mais on espère que ça va permettre quand même la construction et la mise en place de solutions et d'outils pour favoriser la structuration de l'ESS au lendemain du passage de la loi. Et puis dans un contexte que Roderick, tu as rappelé tout à l'heure, assez compliqué pour tout le monde et à plein de niveaux. Donc on a lancé l'appel à contribution juste hier, si je ne dis pas de bêtises, et il sera ouvert jusqu'au 30 avril. Donc on invite toute organisation, vraiment de tout secteur confondu, à proposer des intervenants, des programmes ou présenter des projets dans les ateliers qu'on a pu proposer pour participer à ce mouvement collectif de co-construction de l'ESS
qu'on souhaite vraiment participatif et multi-acteurs aussi. Voilà, dans les grandes lignes, le forum sera intitulé Ensemble pour construire l'ESS de demain et se veut vraiment participatif et dans la co-construction. Donc, on attend vos contributions sur le mois à venir pour mettre tout ça en place. Je ne sais pas si tu voulais d'autres éléments, Sonia, Merci Manon. Non, non, mais c'est bien parce qu'on a vu passer le truc hier qu'on s'est dit que ça serait sympa que tu nous en touches un mot aujourd'hui. Hein, Parfait, vous avez parce bien vu. que le principe, c'est d'être vraiment en prise sur l'actualité. En plus, c'est une actualité qui appelle à contribution, hein, comme tu l'as dit, avec une deadline à la fin du mois. Donc, ben, c'est bien de le faire savoir. Et je constate que le 23 juin, ça serait le dernier jour du printemps de l'engagement solidaire. Donc, on pourrait éventuellement réfléchir à articuler des trucs ensemble. Avec même quelques petites discussions en cours, si je peux me permettre. Voilà, ouais. Non, vous n'êtes pas obligé de me dire. Hein. Va garder un peu de mystère. Ouais, gardons du suspense. En tout cas, c'est là, juste par curiosité, c'est la combientième fois que vous essayez de le monter, ce fameux troisième convergence Tunisie? Bonne question. L'année dernière, on le prévoyait pour début mars. Bon, Ouais. début mars, ça a été un peu la période de confinement pour tout le monde, donc on a préféré pas le tenir, on l'a décalé à septembre, puis septembre a été la période de la seconde vague, donc on a préféré pas le tenir. Mais on a sorti une très belle publication en décembre qui a très bien fonctionné et qui a permis de restituer un peu les travaux des groupes de travail et autres. Donc si vous ne l'avez pas encore consulté, n'hésitez pas, c'est l'ESS en action concrète et une deuxième édition de la publication est prévue pour cette année en faisant Ça se écho trouve au où? forum. Elle se Ça se trouve trouve où? sur le site de Convergence. Eh ben voilà, une page de Directement. pub en passant. À toi, merci Manon en tout cas. À Merci toi Manon. Sonia. Mehdi, sahach libtek. Ton micro, s'il te plaît. Aïe, je suis ça, Ça Sonia. va? Marhabibik, Très Mehdi. bien. Alors, je sais que tu as des actualités du côté de Chanti. Oui, bah, comme on discutait tout à l'heure, nous, pour parler aussi d'un projet, l'espace Berja, qui a été ouvert avec Beiti, avec l'association Beiti, donc dédiée à l'insertion professionnelle des femmes. Et peut-être après dire un mot aussi sur les actualités qui sont en train de se passer autour des décrets d'application de la loi, vu qu'il y a quelques petites choses qui avancent, même si ce n'est toujours pas au rythme, je pense, que les acteurs souhaitent, mais aussi des choses qui malgré tout se passe. Donc moi, je voulais parler ce soir de l'espace Berja, qui est né voilà, d'un projet commun entre l'association Beiti et l'association Shanti. Donc l'association Beiti, c'est une association qui œuvre depuis 2012 pour lutter contre les violences intersectionnelles à l'égard des femmes, donc qu'elles soient physiques, mais aussi économiques, politiques, sociales. Et Dieu sait que en Tunisie, on a malheureusement, un nombre important de femmes qui sont au croisement de toutes ces discriminations. Et l'association Beiti, qui œuvre depuis des années sur l'hébergement, l'accompagnement de jour, donc tout ce qui est l'appui administratif, psychologique, l'écoute, a aussi mené depuis quelques années un travail pour la formation professionnelle et l'insertion économique de ces femmes. Et dans nos discussions et dans les croisements de nos interventions respectives, on a eu l'envie, voilà, de dédier un espace commun à l'insertion économique, sachant qu'aujourd'hui, pour des profils de femmes qui ont vécu la vulnérabilité et qui sont encore sujettes à la précarité, aux violences, même au retour dans le monde du travail, il nous est paru intéressant d'imaginer un dispositif qui puisse bien sûr renforcer les compétences professionnelles, l'insertion économique de ces femmes, mais aussi prendre en compte toutes les difficultés de leur parcours de vie actuel et à l'avenir. D'où l'idée de cet espace Berja. Donc Berja en arabe, c'est vraiment un peu la réjouissance, la joie. L'idée, c'est aussi d'avoir un espace qui soit physiquement beau et qui soit physiquement, comment dire, structurant et qui permette la reconstruction aussi pour ces femmes de divers profils. Et donc, on a inauguré à rue du Niger une maison, un espace qui aura pour mission à la fois la formation professionnelle. Donc, on a une unité formation coiffure esthétique. Donc, c'est vraiment un salon de coiffure équipé, salon esthétique. Une unité couture qui va être un atelier d'insertion, donc qui est équipé et qui permettra aux femmes qui ont déjà des compétences à la fois de se renforcer, à la fois de venir travailler. Et un espace
qui va être un petit peu l'espace d'insertion où chaque femme qui viendra en formation au sein de cet espace aura aussi un accompagnement personnalisé pour son insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, il y aura plusieurs options, soit un placement au sein d'une entreprise, soit l'accompagnement à la création de son micro-projet. Donc, par exemple, les femmes qui apprennent la coiffure à Berja vont sortir avec un kit, c'est-à-dire son séchoir, ses plaques, tout le matériel nécessaire. Et puis, un troisième dispositif qui va être plus, qui peut se rapprocher peut-être de l'entreprise d'insertion, même si on est encore loin des modèles qui, dans d'autres pays, sont peut-être plus structurés, où on aura un dispositif dont l'objectif de nos deux associations, c'est qu'on puisse être nous-mêmes porteurs et pourvoyeurs d'emploi pour ces femmes, notamment autour des métiers du soin à la personne, puisqu'on a aussi en parallèle à Berja un espace de formation au métier d'auxiliaire de vie. Et l'idée, c'est que demain, Berja puisse aussi porter ce modèle d'agence de placement ou d'agence de service à la personne qui permettra d'employer aussi les bénéficiaires. Donc voilà aussi ce qu'on a voulu avec ce projet. C'est un projet qui a la croisée de plusieurs associations, donc Beit et Chant qui sont les porteurs de ce lieu, mais aussi par exemple plusieurs associations qui travaillent avec les femmes migrantes en situation aussi de vulnérabilité, puisque là on a, je pense qu'on a 30% des inscrites qui ont commencé les cours la semaine dernière, qui sont des femmes migrantes, en fait, en transit en Tunisie. Donc, l'idée aussi, vraiment, c'est que cet espace, il puisse être aussi un espace de test, un espace de pratique pour les différentes associations, les différentes entreprises de l'économie sociale et solidaire qui veulent tester ou apporter aussi des solutions à ce public-là. Donc, c'est aussi un appel, voilà, pour les différentes associations, les différents acteurs qui souhaiteraient contribuer à la réflexion, contribuer aussi au suivi du placement et de l'insertion de ces femmes, qui soient aussi les bienvenues dans la réflexion et dans ce travail. Donc, Béja, c'est situé, pour ceux qui connaissent déjà, par exemple, l'artisanerie, c'est la maison en face. Donc, c'est aussi à côté. Et c'est voilà cet espace qui aura qui est bien sûr un espace protégé, vu que c'est un espace qui est d'abord pour ces femmes-là, mais qui est aussi un espace de réflexion collective sur une autre façon de penser l'insertion économique. D'ailleurs, le ministre des Affaires sociales était là pour l'inauguration. L'objectif aussi, c'est qu'on puisse, à travers ces pratiques d'acteurs de terrain, c'est porter aussi demain, pourquoi pas, des changements. Enfin, pas pourquoi pas, mais c'est la volonté derrière ça. C'est aussi porter un changement, un autre rapport sur ces questions d'insertion professionnelle qui, d'ailleurs, au-delà des femmes, touchent des publics beaucoup plus larges, que ce soit les jeunes, etc. Donc voilà un petit peu l'actualité que nous, on voulait partager, qui est une actualité co-multi-acteurs, disons, et qui est aussi soutenu par différents partenaires. Et voilà, voilà l'actualité du jour pour nous. Merci Mehdi pour ce flash d'actualité. Alors pour les gens qui sont avec nous ce soir et qui connaissent pas forcément, parce qu'il y a bien évidemment un public tunisien, mais il y a aussi un public international. Rue du Niger, on est à Tunis. J'ai l'impression qu'on est tous, en plus, ça va finir par devenir un quartier ESS, parce Voilà. que tout le monde est dans le même coin. En même temps, c'est entre Mon Plaisir et Mutuelville, donc avec des noms pareils, c'est sûr, c'est attirant. Ok, et donc ça a été inauguré semaine dernière ou il y a 15 jours, tu nous disais? Ouais, c'était il y a à peu près 15 jours, ouais. J'ai plus la date, ça devait être D'accord. tout début avril. Et puis là, Ok. les cours ont commencé la semaine dernière. Voilà. Donc là, il y a C'est tout frais. 20 apprenantes, voilà, qui commencent à leur cours. C'est tout frais. Super. Merci. Merci Mehdi. Sonia, est-ce qu'on a autre chose dans l'actualité tunisienne? Alors. Je voulais revenir vers toi justement pour avoir si tu avais des nouvelles, des news du côté international, européen, des actualités que tu pourrais dont tu pourrais parler. Écoute, j'ai pas de scoop à délivrer ce soir. D'abord parce que je pense qu'il n'y en a pas, et ensuite parce que on démarre, hein. Pour les prochaines émissions, je lance un appel. Ceux qui avaient de l'actu ESS à partager avec, je ne sais pas si le plus grand monde, le plus grand nombre, mais bon, avec la Tunisie, mais aussi le reste de la planète ESS, ben, n'hésitez pas à nous transmettre ces infos. On sera ravis de jouer ce rôle un peu de JT ESS dans une vision assez globale.
Côté Europe, aujourd'hui, de ce que j'en vois ou de ce que j'en entends, l'essentiel de l'environnement ESS est très mobilisé sur le futur plan d'action qui doit être publié en fin d'année par la Commission européenne, le plan d'action ESS. Il y a eu un appel à contribution. Have your say. Deadline, je crois que c'est le 23 février, donc c'est fin de la semaine prochaine, pour inviter ceux qui veulent s'exprimer par rapport à ce futur plan d'action de la Commission européenne de le faire. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse et dire qu'en tant qu'ESMED, et je l'espère avec d'autres, on publiera d'ici là, c'est-à-dire la fin de la semaine prochaine, un position paper sur une prise de position par rapport à cet appel à contribution. Voilà, donc l'actualité tourne autour de ça, va tourner de plus en plus autour de la conférence de Mannheim, qui sera virtuel, hein. Tout le monde fait du virtuel ou du virtuel ou de l'hybride, comme disait Manon tout à l'heure. Conférence européenne de l'économie sociale. Hein? On dit digital encore maintenant. C'est Oui, pareil, c'est toi qui m'as appris le terme, ouais. Mais je ne m'y suis pas fait encore, c'est l'âge. Et donc, voilà, va y avoir fin mai. Un gros événement économie sociale dans le cadre de l'Union européenne, mais qui touchera aussi et concernera la Méditerranée. On va intégrer cet événement d'une façon ou d'une autre dans notre programmation Printemps de l'engagement solidaire parce que c'est important et parce que tout ce qui se passe peut être l'occasion de réagir, de faire participer, je dirais, le plus grand nombre. Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais on commencera à communiquer à partir de la fin du mois d'avril. Voilà, j'étais hier, je regardais avec intérêt un salon virtuel, nos collègues et sociétaires chez ISMED de la CRESPACA, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, organisent chaque année un salon globalement ESS, enfin qui est ouvert plus généralement aux achats responsables. Ben, j'ai découvert un salon virtuel, j'en avais pas encore vu. C'est-à-dire que comme ça ne pouvait pas se faire en physique, ben, ils ont fait ça, voilà, en utilisant la technologie. Et c'était plutôt, je dis pas ça parce que c'est des amis, je dis ça en plus parce que c'est des amis, mais c'était plutôt bien fait. Et ça ressemblait effectivement à un vrai salon physique où on pouvait aller rencontrer les exposants, les stands, les machins, les trucs, les choses. Voilà. Donc voilà l'actu. Il y a eu récemment au Portugal une conférence de la présidence portugaise de l'Union européenne sur l'économie sociale. Pour le reste, il va y avoir bientôt, je crois, des événements ou des webinaires de ce style, et je crois d'ailleurs que tu participes à l'un d'entre eux autour des sujets africains. Ça, c'est organisé plutôt de mémoire par le GSEF, le Global Social Economy Forum, qui a confirmé, j'en finis avec ce tour un petit peu décousu, qui a confirmé les dates du forum de Mexico. Qui lui aussi se sera tenu en 2 ans au lieu d'un, avec du virtuel, avec, ils espèrent, du physique. Et il y aura donc début octobre à Mexico le forum, le Global Social Economy Forum, le forum international de l'économie sociale qui se tiendra donc en Amérique. Ouais, c'est du Nord. Oui, c'est du nord central, voilà. Concrètement au Mexique. Voilà ce que je sais, je dirais, et sans être allé chercher dans le détail, on fera mieux la semaine prochaine, les éléments significatifs de ce qui se passe en ce moment sur la planète ESS.
Parfait. Moi, je voudrais faire un tout petit tour sur tout ce qui se passe en appel à candidature et projet un petit peu, là, ce qui se passe en Tunisie. Donc, nos amis les Bess lancent un appel à candidature pour sélectionner 15 porteurs de projets. Donc, c'est un programme d'incubation complet pour accompagner des porteurs de projets d'innovation sociale sur une période de 6 mois. On a l'APAL, l'Agence de protection d'aménagement du territoire. L'APAL souhaite développer un partenariat avec la société civile et concevoir et mettre en avant un programme de sensibilisation, éducation environnementale pour le centre éco-culturel de Khorba. Donc, ils font un appel à candidature aux associations pour la sensibilisation. L'échéance, c'est pour le 19 avril. On a aussi Pépinière urbaine Tunisie Nesl Houma, qui a un appel à projet qui a pour objectif d'identifier et d'accompagner des initiatives urbaines à impact social positif. Alors, ce sera sur le Grand Tunis et sur Gabès. Alors, je cherche le. Bon, je ne sais plus c'est quand la fin de l'échéance. Nous avons également l'OIT qui a lancé un projet qui s'appelle Forteresse, pour promouvoir le travail décent par le biais de l'organisation de l'économie sociale et solidaire par les femmes en Tunisie. Donc, c'est un projet dont bénéficiera directement 200 femmes travaillant dans le secteur agricole, l'artisanat et le tourisme alternatif. C'est un projet qui sera en activité pour quelques années, 3 ans, je pense. Voilà à peu près le petit tour d'horizon. Très rapide sur ce que nous avons comme appel à projet candidature en Tunisie. Ce qu'on observe, et ce n'est pas une surprise, Sonia, c'est que la thématique des femmes, ce que je résumerais sous forme femmes et ESS, alors Mehdi nous a parlé tout à l'heure, c'était pas forcément spécifiquement orienté ESS, mais je dirais de la problématique d'insertion des femmes. Tu viens de nous parler d'un autre projet en cours. On va consacrer dans le cadre de la programmation du printemps de l'engagement solidaire une émission spécifique au sujet Comment? au moins un. Et je fais référence à Caroline Nett, la déléguée générale de COPFR, qui avait eu la gentillesse de participer à l'inauguration le 19 mars. Et on s'est engagé réciproquement à monter quelque chose autour de ce sujet ô combien important, quels que soient les pays dans lesquels on se trouve, mais plus particulièrement en Afrique du Nord, en Tunisie et à bien d'autres endroits. Donc, c'est aussi un sujet qui est fléché en tant que tel, bon, un peu par tout le monde, hein, mais notamment par l'Union pour la Méditerranée, qui est assez active au plan institutionnel sur le sujet. Donc, on va essayer côté d'Arès d'apporter notre contribution en complément de toutes les initiatives qui sont déjà prises. Bah, super, merci. Bah, Mehdi, Mehdi. Conclusion. Comment? Conclusion, je pense, conclusion pour la prochaine fois, pour notre prochain café, qui sera donc semaine prochaine. Je ne suis pas en train de clôturer l'émission, hein, c'est toi qui Ah le fais oui, tout à justement. Non, mais parce que l'heure. Mais Oh. conclusion, vous avez de l'info, vous avez des messages à faire passer, vous avez des trucs à partager. Ben, n'hésitez pas, message personnel à Darès ou sur Facebook ou comme vous voulez. C'est avec grand plaisir qu'on structurera, en notre qualité de journaliste amateur, qu'on structurera les dépêches pour les relayer aussi sous cette forme-là chaque semaine. Bon, Mehdi Deo, c'est là avec nous, hein, c'est notre référent du pôle observatoire. Il va nous dire quelque chose. Bonsoir, Parce que Sonia, Sahachi, demain, on a le premier, faut pas que je me trompe, on a le premier focus d'Arès.
Tout à fait, Roderick, tout à fait. Oui, demain, ce sera un autre grand jour à Dares, avec le démarrage du premier focus Dares qui portera sur le pôle observatoire dont je suis le responsable. Donc, l'événement se déroulera demain dans le cadre d'un webinaire inédit qui sera diffusé sur notre page Facebook à partir de 10h30. Donc, un panel de compétences nationales et internationales de très haut niveau à ne pas rater demain, surtout avec la participation de Thomas Guérin, avec notre expert référent pour l'Observatoire, avec José Cobezuela, directeur de la commission de la communication du CERIEC Espagne, et du CERIEC Espagne au CERIEC de la Tunisie, avec Madame Souad Khalouli, la coordinatrice du CERIEC Tunisie. Et nous aurons aussi comme des invités Madame Lamia Safi, directrice des organismes professionnels agricoles au sein de la DGFiP, et Madame Lamia Zeribi, la présidente du Conseil national de la statistique. Donc, n'oubliez pas, demain, notre rendez-vous à partir de 10h30 sur notre page Facebook. Merci Mehdi. Ben, c'est un, voilà, un joli programme, une jolie trentaine de 90 minutes. Hein, ça va durer 90 minutes, c'est ça? Donc c'est à Tout à fait, oui. 10h30, jeudi, demain, lancement des activités observatoires. Voilà, Roderick, quelque chose à rajouter sur. Non, je pense qu'on a bouclé. On a fait 39 minutes au lieu de 45, c'est pas très grave. On est pas là pour occuper l'espace à tout prix. Il fallait marquer le top départ. C'est fait. Expliquer ce concept de printemps un peu particulier qu'on veut mettre en place et partager avec le plus grand nombre. On sait déjà qu'on se retrouve la semaine prochaine au même endroit, à la même heure. On sait que demain, on parle observation de l'ESS et j'insiste sur ce que disait Mehdi parce que il y a vraiment du beau monde. Il y a vraiment du beau monde et c'est un sujet qui n'est pas nécessairement très souvent traité publiquement alors qu'il est central, hein, celui de la mesure et de la connaissance de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc, ce sera sympa d'écouter des gens très compétents sur le sujet de plusieurs pays différents, avec des façons de voir aussi parfois qui sont différentes. Et puis, je ne sais pas, tu connais le programme déjà la semaine prochaine, toi, ou pas encore? Oui, je peux connaître, effectivement. Donc, mercredi prochain, comme convenu, à la même heure. Jeudi, on parlera, ce sera focus d'arrêt, si on parlera de l'économie bleue solidaire. Voilà. Ok. Eh bien, on n'en dira pas plus pour l'instant, mais En tout cas, c'est ça. la grille de programmation, même si elle est amenée à bouger ensuite, sera très prochainement publiée sur notre page web ou Facebook, de façon à ce que tout le monde puisse avoir une première idée, je dirais, des différents sujets qui seront traités au fur et à mesure, au fil des semaines, jusqu'au 23 juin, date de Convergence Tunisie à l'Agora. Non, je dis ça rien à, mais c'est presque pareil. Ah merde, c'est pas celui-là. Ah oui, excuse-moi. Bon, désolé. Je me suis trompé. Je voulais bien faire, mais c'est raté. Ben voilà. Ben merci à tous. Merci Manon. Merci Mehdi. Merci Mehdi. Merci Roderick. Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Donc, on se voit la semaine prochaine pour le Café Express. On se voit demain. N'oubliez pas, demain à 10h30, Focus Dares. N'oubliez pas d'envoyer des informations, des initiatives que vous voulez faire passer, des témoignages. Vous pouvez nous contacter sur nos pages, notre page Facebook ou sur Messenger.
Voilà, merci à tous. Bonne soirée et à demain. Bonsoir, Merci à merci. tous, bonne soirée. Bonsoir, Merci Sonia, merci. merci Roderick.